Et salut tout le monde, aujourd'hui je me fais une petite pêche découverte. Donc voilà, je me retrouve sur un secteur qui est une rivière qui est connue pour sa, pour ses truites. Donc voilà, une très très jolie rivière apparemment, puisque c'est la première fois pour moi que je mets les pieds. Donc là je vais m'engager dans des... Bah, c'est des gorges, hein, plus ou moins. Je vais partir là-bas en bas là, et je vais remonter la petite rivière là, pour essayer de faire un poisson ou deux. Bon, le temps est plutôt stable pour l'instant, très nuageux, stable. Et par contre, il fait très froid, il fait 2-3 degrés. Et juste en face là, on voit pas là, sur la vidéo, mais il y a un sommet qui est complètement enneigé. Donc, ben voilà, c'est parti. Je sais même pas par où je vais descendre, mais je pense que je descends tout droit là, gentiment. Ça devrait le faire. Allez, go! Bon, déjà, première constatation, pour aller jusqu'à la rivière, il faut se le gagner déjà. C'est vraiment chaud. Je sais même pas si je vais y arriver encore. Je passe derrière là ou pas? Ouais, je passe derrière. Ça passe. Bon, mais voilà, j'arrive sur un ruisseau, mais c'est pas la rivière que je veux faire. En fait, ça c'est un petit affluent. Je suis descendu sur la droite, du coup je me suis retrouvé sur un affluent, mais je veux le faire un petit peu. Il a l'air plutôt joli. On verra bien. C'est peut-être une bonne surprise. Je ne sais pas du tout. Allez, on va monter la canne. On ne va pas faire les quelques trous qui s'offrent à moi devant. Là. Pour commencer, voilà, je vais utiliser un petit verron, imitation de verron, avec une tête plombée de 3 grammes. Petit badine en 15 centièmes. On va commencer comme ça ici, mais si je dois faire ce petit ruisseau, je pense que je vais utiliser autre chose, peut-être une petite cuillère tournante. Ça peut suffire pour passer dans ce genre d'endroit. Ouais, tout petit poisson là. Ok, de la fuite. J'arrive sur un magnifique trou. Je vais essayer de faire devant là. Et voilà. Là j'étais sur le petit affluent et là j'arrive sur la rivière en question. Donc c'est là que va commencer la choper. Ouh, ça dépote. Hein. Oh, magnifique. Super joli. Elle est venue jusque là. Waouh, elles sont agressives. Poisson. Oh mais non, je la décroche. Oh, poisson, l'a tombé. C'est plus joli en plus. Oh, si tu te décroches pas. Ouh, enfin une truite. Bordel.
ça a été compliqué pour en faire une. Bon, ça y est, j'ai ma première truite. Mais finalement, je la fais dans ce petit ruisseau. Et c'est un beau poisson. C'est décroché dans les punettes. C'est pas un monstre. Mais c'est une belle truite de ruisseau. Il doit faire bien ses 25, je pense. Un truc comme ça. Bon, ça fait vraiment plaisir. J'espère qu'il y en aura, que je pourrai en faire d'autres sur ce. Allez, go. Oh là, c'est magnifique. Oh putain, mais ça... Ça en est une. Oh. Jack. Et une deuxième. À peu près la même que la première. Même gabarit, beaucoup plus clair, mais même gabarit. Toujours au petit souple. Hop, 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 hop. Doucement. Voilà. Voilà. Superbe truite. Magnifique truite. Splendide. Franchement, splendide. Hop là, une petite zébré qui est passée. Bon. Ouh, poisson qui est juste là. Poisson. Une plus petite cette fois-ci. Voilà, on la remet un petit peu dans l'eau. Je vais la décrocher gentiment. Quoi, sur les petits leurres souples, on fait des loupés, mais on peut aussi attraper de petits poissons comme ça. Qu'est-ce que tu as dans la bouche? Tiens. Magnifique petit poisson. Tout petit poissonnet. C'est fou hein. La pauvre. J'étais mal piqué ma petite. Tout petit poisson ou leur souple. Allez, repart.
C'est pas mal. C'est plus joli. Oh non, je décroche. Putain, ça faisait plus de 30 là. Oh, le gobage. Plus je monte, plus l'eau est cristalline, quoi. C'est pas moche celle-là. Je suis pas une ça. C'est de la vapeur. Ah! J'ai senti. Notre, elle est par là-bas. C'est pas un gros poisson, mais... Pas de moi. C'est plus dur depuis tout à l'heure. Parle là-bas. Ouf. Poisson. Putain, je m'attendais. Mais non, mais c'est pas possible, encore une belle que je décroche, mais c'est un truc de fou. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi à chaque fois que je fais un poisson de 30, il se décroche? Peut-être dans les pieds, quoi. J'allais presque m'avancer là. Nouveau poisson, j'ai la caméra. Allez, nouveau poisson, j'ai la caméra qui vient de s'éteindre là, mais voilà, j'ai fait cette magnifique truite là. Cette fois-ci, la cuillère tournante pour changer. Allez, ma belle. Poisson. Décroché. Oh. Le bébé nous. Pourquoi t'as pris la cuillère toi? Et puis en plus elle a bien prise la cuillère. Hop, petit poissonné encore. Elle est toute petite, je les prends la cuillère en fait. C'est vraiment la différence. Quoique tout à l'heure j'ai pris une belle à la cuillère donc. Tout petit poissonné. Oh. Elle est toute petite, il y en a un. Oh. Sans ardillon. Ça par contre c'est cool.